Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle map. On se retrouve cette fois-ci sur Oboville, la ville des clochards. Et c'est une découverte pour tous les deux, c'est parti. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une map relativement ancienne. C'est tout ce qu'on sait sur cette map, hein. Et qu'elle a été créée par Wheezy428, apparemment. Et ça, je le découvre en même temps que... Ah, mais oh! T'es où? Je sais pas. T'es pas à côté d'Ouam. Là. Ah, t'es en combinaison chimique là. Moi aussi. Et graphiquement, c'est joli, hein? Ça a des belles couleurs quand même. Ah, il y a des jolies couleurs, ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 5-7 direct d'entrée. Ah, il y a des boîtes à faire aussi. Ah, j'ai trouvé une pièce gros. Bah viens, viens où je suis, j'ai une boîte là vite fait. On l'a fait? Ouais, ben, bah, si ça nous amène d'où, gros. Ouais, je sais, mais au moins une. Bah, il reste plus que un zombie, un infecté. La boîte en feu et tout. Non, mais franchement, elle est vraiment belle graphiquement pour l'instant. Rien à dire. Il n'y a rien à dire, ouais. On n'avait pas vu de screen, rien du tout en plus. C'est même pas pour le nom qu'on l'a prise en plus. C'est pas du ouais, tiens, clochard, ça va être bien. C'est parce qu'on s'est aperçu après que ça voulait dire clochard. J'ai dit, ouais, mais il me semble que ça veut dire clochard et tout, juste avant de lancer la map. Effectivement, ça veut bien dire clochard. J'ai vérifié. Putain, j'ai vu un Non. queutru là. Genre, il te faut une indication pour n'importe quoi. Pas super puissant le 5-7, hein. Non. C'est pas le 5-7 de BO2. Bon, on achève. Non! C'est passé quoi là? Tiens. Super. T'es mort comment en fait? Je sais pas, je me suis pris une baffe, il y a pris une deuxième, mais je sais pas d'où elle venait la deuxième par contre. On va quand. C'est bien là, gros. C'est une pièce là. Ok, panel. Donc je pense qu'il doit avoir le. Par contre, c'est où qu'on ouvre là, débris?
Je sais pas. Là, 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 viens, 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 là où je suis, où j'ai ramassé la pièce. Faut qu'on s'achève de là, on va se faire des fourrailles. Où tu vois une pièce à Là, ramasser? là, 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 une porte à ouvrir. Putain. La boîte, vite. Vite, 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 prends une arme et retourne-toi, enculé tous. Ah, Vas-y, le vieux commando que prends j'ai une fait. MP7, ça va. J'ai de la chikungunya. Essaye de faire un rampant. Elle a l'air ultra chimique. Je crois que dans la boîte, c'est pas mal d'armes de Black Ops 2. Si ce n'est pas que. Si BO1 aussi, j'ai vu le souffleur. Est-ce que t'as un rampant? Non. C'est fait. Ok, alors faut faire quoi là? C'est bordélique hein, par contre. Non, mais c'est un sac. Non, non, c'est pas un cul-de-sac, on peut y aller puisqu'il y a, y a machin derrière. Il y a Speed Cola. Ouais, ça sauve comment quoi? Voilà. Ah ouais, sur les interrupteurs verts. Ok, donc là ici ça va être un truc. Non, bah non, il m'a fait mentir. La chicom, bah, je l'ai déjà. Et les armes en fait, gros, elles sont dans les boîtes par terre. Je sais pas si t'as tricard. Espèce de boîte en mousse là. 1250 la prochaine. J'ai. Mais viens, on fouille s'il n'y a pas des. Ah là, il y a une caisse. La poignée pour le courant. T'es où? Sur l'étagère. Bien joué. Par contre, j'ai la poignée qui s'affiche, mais pas le tableau. Toi, tu l'as le tableau? Non, du tout. Ça m'a un petit bug, hein. Petit bug d'affichage. Là, c'est 1005 pour ici. Ça a ouvert où? T'as une table de craft. Où? Ah non, presse A pour le son, on s'en fout. Attends, c'est chelou, il y a des trucs là, genre l'électricité. C'est là-haut, donc j'ai ouvert là-haut, hein, je pense. Je sais pas où, mais j'ai ouvert un truc, hein, j'ai payé 1005. Ça a ouvert et j'ai entendu vers le haut, puis même il y a une flèche qui indique le haut. Il est là le courant, il est là gros. T'as comment on y va? T'es où toi? Je suis revenu. Non, ouais, si au spawn, Là, c'est où le compte, me dit? ouais. Là, là, regarde, on le voit à travers. Là. Là. Mais je pense que c'est pour nous induire en erreur puisque je dois le crafter. Et puis l'interrupteur là, il est pété, donc à mon avis, il faut le réparer. Ben, je sais pas comment. Mais j'ai ouvert quelque chose, faut trouver où quoi. Bah là en fait. Où t'es là non? Ouais, ben ouais. C'est là que j'ai ouvert? Ben sûrement, parce que là, on peut pas y aller tout à l'heure. Bon, bref, passons, attends. Là, ça s'ouvre? Non. Ouais, faut savoir, je veux bien passer la manche, mais je veux savoir où je vais après, quoi. C'est le roi là, gros. Vas-y. Elle est michto, graphiquement parlant, elle est vraiment belle. C'est bordel. Yes, time up. Un coffre.
C'est quoi? La petite secteur. Là, il y a une porte à 1250 encore. Mais on a pas là. Ouais. Un peu de gros. Bon, ben, on Et, va enchaîner, hein. ouais, mais putain. On n'a même pas vu le masto. Si, tu l'as vu le masto, toi? Non, du tout. Eh, c'est tendu quand même pour tourner, on est d'accord là? Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. Mais Ah non, bah viens oui. voir, j'ai ouvert là, Narvalo. Vas-y. À Ah, je voir. crois que j'ai ouvert là, je suis pas sûr en fait. J'espère qu'il n'y aura pas de zombies en feu. Ouais, vas-y, baisez vos mères, d'où ils sortent. C'est loin? Je sais même pas où je suis. C'est bordélique. En tout cas, il y a des petites ampoules avec des schémas, des machins. Putain, il y a du monde. J'arrive plus à... Putain, C'est pas grave, c'est pas mais grave, c'est pas quelle grave, on s'en patate. bat les couilles, survie. Il me tape encore, ces bouffons, alors que je suis par terre là. Je suis à poil par contre, hein. J'ai bientôt plus de munitions. Ah, c'est mort. Hop, les gens, petite ellipse, hein. On me pose. On se retrouve après. Re, les gens. Donc, du coup, bah, il s'est pas passé grand chose. J'ai juste retrouvé là une nouvelle partie. Donc, ici. Et par contre, on a recommencé, mais on n'est pas parti de la même. D'ailleurs, on vient d'où là? Je suis complètement perdu sur cette map. Les escaliers, gros. Cela là? Ouais. On a le rampant toujours là. Ouais, normalement. Attends, gros, j'ai pas de points. Si tu pouvais me les laisser en Ouais, fait pour. c'est... J'ai tout ouvert et du coup, je me retrouve à Walp. Donc voilà, en fait, on est arrivé par là, il me semble. Ouais, ça. Ouais. En fait, tout à l'heure, on a ouvert par là-haut. Et là, j'ai vu bah, en relançant la deuxième fois. Donc la première pièce, c'est qu'il y en a qui l'a ramassé, c'est le panneau. La deuxième pièce, bah du coup, elle était là-bas, mais on peut y accéder du coup par là maintenant. Maintenant, là en fait, on a ouvert plusieurs portes. Bah d'ailleurs, attends, elle mène où là, cette porte que j'ai ouverte? Elle sert à quoi, cette porte? Ah, c'est là où t'as ouvert, non? Oh. Ici, où tu m'as réanimé là, où je suis tombé. Ouais. T'avais ouvert ici là. Ouais. Et ça a ouvert quoi? Aucune idée, gros. Attends, c'est ça, on sait pas ce que ça ouvre, quoi, franchement. Là, 750. Là, gros, sur Attends. l'interrupteur. Là, je crois que ça a ouvert là. Bill. Clé Clé mort. mort. Hein. Tiens. Ah, Ah bah elle est là le panneau, bah c'est autre chose alors que t'as ramassé. attends. Bien. Bon, j'ouvre là. Attends, je rebouge des machins, j'ai pas de points, j'ai pas d'armes. Enfin j'ai que le 5-7 là. C'est quoi là? 1000? C'était à prévoir que ça l'ouvrira à l'autre bout. Là. C'est où toi? Bah où ça a ouvert là? Ah du coup on peut crafter ici là.
Il manque le levier là. On les a complètement de l'autre côté, gros. Oui. Ouais, c'était de l'autre côté, Ouais, gros. il était en bas. C'est 1250, là. Alors ça, là... Je peux même pas acheter d'armes. Donc c'est bon, on sait où est le courant, on sait où est la dernière pièce en tout cas. Par contre, on sait pas où est Masto. Ça, c'est problématique. Là, on avait ouvert, donc ça a ouvert en bas, c'est ça? Non, ça a ouvert là-bas. C'est ouais, elle est franchement. Ça embrouille ça. Elle est super belle hein, la map, mais 1005 pour ouais, pour, je pense c'est pour ouvrir ici. Et justement, c'est par là qu'elle est, il est. C'est derrière ça, gros, je crois. T'es où? Ça s'ouvre pas, Maintenant. ça. Si, là, là. À gauche. À gauche, à gauche. Bah vas-y, va péter le dernier zombie gros, puis Ouais, mais attends, faut que je me trouve une arme à mid ou un truc comme ça, là. Elle était à combien, la MPL? Tu te rappelles ou pas? 1002, 1002, je crois. C'est toi qui l'as tué? Ah non, 1000 euros. Ok. Bon bah, on est dans la merde. Enfin, je suis dans la merde. Je vais rester avec Watt. Ouah, ça arrive en masse, sa mère. T'occupe pas de moi, prends les munes. Elle est super tendue la map. Elle est super tendue. Mais non, t'es toujours debout. En plus, il y avait une bombe. M'a ramé. Bon, les gens. Ce qu'on va faire, c'est que. Bah, on va remettre pause. Je suis désolé. Hein, enfin, on est désolé de crever comme ça. Mais en même temps, voilà, ça vous prouve que c'est une découverte. C'est vrai que c'est problématique pour tourner là, pour l'instant. On va voir ce que ça nous réserve la suite. Donc je me pose, on se retrouve tout de suite après. Enfin, je vais voir. Quand c'est intéressant, je remets. À de suite. Les gens, donc du coup, on a relancé. On est repassé par là. On est passé la première fois pour pouvoir faire des boîtes. On n'a rien eu d'intéressant, comme vous pouvez le voir. Enfin, la M14, je l'ai acheté dans la première pièce. Du coup, donc la première pièce du courant, je vous la rappelle, elle était là sur l'étagère. C'est tout le temps les mêmes spawns. Et du coup, là, on se retrouve dans la pièce de tout à l'heure. Où il y a cette partie-là. Et il y a aussi la partie en haut. Elle était où déjà? Attends, je suis Ah, perdu, on est gros. obligé de faire le tour. On est obligé de faire le putain de tour. On est obligé de faire ce putain de tour de merde. Pour activer le courant. Parce qu'on a trouvé Masto en plus. Bon, allez, on va faire le tour, hein, gros. Temps si tu trouves une arme sympathique. Là c'est quoi là j'avais dit? La chicom, je m'en bats la race. Là on viendra ouvrir après je pense hein. Là faut vraiment privilégier le courant et Masto qui est donc là en fait tout simplement. Non c'est pas par là. Si? C'est la sortie. Eh, c'est bizarre en fait, ça ouvre des millions de trucs là.
Donc du coup voilà, je vais vous montrer la première porte. De toute façon, je vais déjà montrer. Elle est tendue la map, franchement elle est vraiment tendue. C'est celle-là et ça s'ouvre là, ici, voilà. Sauf que là, pour progresser, faut ouvrir. Et pour ouvrir, faut 1005. Tu vois, après, faut là. Attends, 1000 là, je peux ouvrir. Ah, c'est bon, j'ai le panneau. T'as le panneau? Ouais. Ouais, mais bon, la table de craft, j'espère que c'est là. Ouais, de toute Ouais, c'est façon. là. Ouais, mais bon, putain, en fait, je dis j'espère. En même temps, ok, c'est cool, on va mettre le courant. Mais on a plus de poids, on a pas d'armes. Vraiment des connards. Ok. Ah mais là on a un poil, ah ouais, Bah ouais, on est quasiment. un peu à poil. Il y a la MP7 à 1005. Il y a la M14 que tu peux prendre tout en haut à 500 points. T'as 500 points, gros. Genre, on peut squatter là. Hein. Même c'est bien comme ça fait tout à l'heure. On n'a pas squatté là. Oh mais si, c'est à peu près pareil on va dire. Non. Non, c'était un endroit où ça spawnait de la terre. Là, je pense pas qu'ils vont spawner du sol. Bah, il est mort tout seul, le rempart. Mais non, ah, j'ai eu peur. Je crois que j'avais changé ma M27 contre la M14. Ah si, putain, ils m'ont fait mentir, c'est PD. Je vous laisse voir l'efficacité de la S12, hein. C'est franchement une arme, une tuerie. Pff, truc, il faut 20 balles pour tuer un zombie. Et merde, putain, j'avais pas vu le nombre de zombies. À combien elle est cette merde? 1500. T'es où toi là? Je saute un peu dehors, un peu à l'intérieur, un peu dehors, tu vois, pour me faire bloquer, gros. Oh bah là, je suis mort là. Bon, j'ai jeté une grenade. Allez, 1005. Franchement, 1005, ça me sauverait la vie. Non, il y avait une bombe. Ouais, super, j'ai pas d'armes, ils continuent à me taper. Il y a une bombe où je suis, gros. Et ils sont tous figés. Elle est un peu buggée la map quand même. En matière, je suis un peu bloqué là, gros. Bah non, je te vois pas, donc je peux pas savoir. Putain, j'ai réussi à avoir. J'ai voulu me précipiter sur la bombe comme un mongol. Non! Pas grave, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais c'est pas grave. Merde, je suis où moi? Je suis où là? 1005, elle était à la MP7? Ouais. Viens, Attends, je vais me chercher ma sauce, gros. La MP, je m'en bats les couilles, je la prends. Non, mais elle est super tendue là! C'est des kamikazes qu'on fait ça. C'est pas des kamikazes, des sadiques. Pardon, je m'embrouille dans mes mots.
Mais non, si si. On va où là? Bah là-bas, je sais pas, par exemple. Tu vois, ils peuvent pas venir de là-haut. Moi, je crois pas. Voilà, là, là, là. Bah ouais, mais putain, mais... Il reste Plus leur combien? bonne. 16? Hein. J'ai pas de grenade, j'ai rien. Ouais, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Bon bah c'est la fin, hein. Je m'acharne. Je me nachave. Sous qu'il y a des armes, sous qu'il y a des armes. T'as M14 en face? Ouais, super, je m'en bats la race. Quoique. Non. Il y avait des rampants sinon, hein. Ouais, je crois. Moi, je crois pas, moi. Je vais essayer de la feinter. Là, franchement, elle est tendue. Désolé si je parle pas, c'est que je suis concentré. Mais même avec Masto, tu veux faire quoi, sérieusement? Pour le cas que je tombe. Ah, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu comme t'es Après, tombé. il y avait beaucoup de monde aussi. Mais des cracks. N'étaient pas tout seuls, les zombies aussi. Hein? N'étaient pas tout seuls quand il m'a mis une craque, les zombies. Hein. Ils étaient plusieurs. T'es prête? Ouais, allez, je sors, mange. Moi, c'est mes meilleures. On va voir les gens, de toute façon on va essayer de la relancer. Je vous le cache pas, hein. Si ça nous casse les couilles, on va tricher. Hein. Au moins voir ce qu'elle réserve. Moi je suis quand même curieux de savoir, au moins le camouflage machin. Mais à deux en tout cas là c'est ingérable. Bon, en même temps on connaît pas la map aussi. Ah ouais, puis toi tu viens là. Ah ben désolé, moi je vais où la où c'est ouvert. Ah, je suis bien dans la merde. C'est impossible. Franchement, les gens, on va refaire une tentative. Si vraiment on y arrive, je remets play. Et si on n'y arrive pas, franchement, je suis désolé, on va tricher. Bonjour, je suis pas désolé, je m'en bats les couilles, on va tricher. Je vais voir ce qu'elle veut cette map. À de suite. Re les gens. Donc du coup, ouais, toujours pas en mode triche. J'ai eu quand même le souffleur dans la boîte et les singes. Donc tu m'as dit quoi? T'as le
T'as le C'est le tableau? tableau. Ouais. Alors attends, moi je me rappelle plus où c'est que. Ah, c'est là que je crois que tout va. Je vais me faire bouler par le rampant. J'arrive. Donc en fait, Kana est passé par l'autre côté. Moi je suis passé par là. Voilà, c'est bon. Il faudrait que j'ouvre là. Et je crois que c'est ici. Même pas, je crois, c'est sûr. C'est bon, j'ai la dernière pièce. T'as pas ouvert là l'escalier? Mais j'arrive pas à l'ouvrir, l'escalier. Je sais pourquoi. Attends, t'as un rampant avec toi? J'ai fait deux rampants. T'as deux rampants? Ouais. C'est chelou, j'en ai un aussi. Bon, bref, de toute façon, il crève tout seul, donc faut que je me dépêche. Et c'est pas par là du tout. C'est par où la sortie là, la putain de sa grand-mère la pute, c'est par là. Donc en fait, je vous. Ah oui, aussi petite indication, c'est qu'il y a la MP5K qui était juste là. Donc là, quand c'est fermé, c'est quand même pas mal pour se faire des points. Chose qu'on n'avait pas vue. Je suis complètement perdu, gros. Truc de ouf. Tiens, si tu cherches comment ouvrir, c'est là. Si jamais. Attends. Ta table de craft. Mais là, puis sur Masto. Il y a plusieurs mastos? Ben ouais, parce que j'ai pas trouvé à mon tout à l'heure Masto, ouais. C'est où là, gros? Bouge pas, je viens de chercher. Je suis à la table de craft. Je viens de mettre le courant. Là, là, je suis là, je suis là. Regarde bien. On est bien d'accord, Masto n'était pas là tout à l'heure. Non. Je suis pas fou. Et pourquoi moi ça me dit que le courant doit être activé? Ah ouais, c'est un bug d'affichage, ok. Ouais, t'es pas fou. Trois là, on peut pas descendre, c'est quoi ce bug là? C'est pas un bug. Tout simplement. C'est que c'est comme ça. Par contre, viens voir. Ouais, enfin. T'as ton masto là? Il te reste 2400 points? Viens voir. Faut absolument qu'on arrive à ces putains d'escaliers. Ou alors, on les ouvre pas, plutôt. Et on va faire le tour. Mais c'est par là en tout cas qu'il faut aller. Là, garde. 1000 points là. Tu vois ce que je veux dire là? Là, là, 1000 points, mais tu les ouvres pas. Non, non, t'ouvres pas. On va faire le tour, on ouvrira plus tard. Là, on va aller dans la salle où on est mort à chaque fois, là, où il y a le coffre. Attends, je suis perdu. Ouais, par là. T'as vraiment envie de mourir encore, hein, toi. Non, mais c'est pour te montrer, voilà, que j'ai ouvert là-bas, donc il y en a un qui peut tourner déjà dans cette salle. Mais maintenant, j'y suis. Voilà. Et voilà où la porte à 1000, normalement, elle doit t'ouvrir ici, tu vois. Enfin, Attends. elle t'ouvre une porte qui trouve une autre porte avec un interrupteur, et là tu peux arriver ici. Alors, est-ce que c'est un masto? Bah oui, Ah un non, ça masto. change. Ça change? Là, c'est des Ah ouais, atouts c'est les atouts aléatoires. qui changent, d'accord. Ah putain, heureusement que t'as ouvert jusqu'à là-bas alors du coup. Ah, c'est encore plus le bordel. Là, viens voir, il y a une porte à ouvrir, gros. Si tu sais pas quoi faire, t'es 2430 points. C'est où? Là, là, au fond. Vers Masto. Là, 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 de l'autre côté. Ah, mais ouais, c'est où on Merci. était tout à l'heure. C'est où t'es mortal. Hein. Ça fait Non, c'est penser pas grave à ça. Buried d'ailleurs ici. Ah, mais là-bas, on peut encore ouvrir. Ouais, je sais pas. Bah, si, 1250. Ah putain. Et là, comme par hasard, les rampants ils crèvent pas. Hein. Tant mieux, hein, mais. Tiens, tiens, prends les points là de stamina déjà. C'est Reviens en bon. arrière. Ah, tu les as C'est déjà déjà pris? fait. Et tu vois, il y a des interrupteurs des deux côtés, donc on peut vraiment arriver des deux côtés, je pense.
Non, point. Il y a des fenêtres, hein. En tout cas, je reviens vraiment sur le décor de la map, enfin sur le graphiquement, elle est vraiment très jolie. J'arrive. Alors, c'est par là, après c'est par là. Là. Ouais, c'est là. Ok. Et là, on arrive où? Il y a des coffres de partout aussi. Hein. 1250 là? Oh bah là, j'ai plus d'argent. Non, non, mais Ça, ouais. je te dis que. C'est toi qui as initialisé là? Ouais. Je sais pas si long, mais c'est pas grave. Mais il faut trop, il faut être milliardaire sur cette map. Il est mort, hein. Ouais, merde, je vais où, moi, là? Ah, mais sérieux, c'est super tendu pour faire les boîtes, on peut pas tourner, on peut rien faire. Il y a quoi là? La HS10? Oh, il m'a traversé lui. Nique ta mère. Non! T'es où? La salle du coffre. Ça sert à rien que je vienne, je suis à l'autre bout. J'ai des Voilà, singes et tourne tout, ta hein, mais je suis grand-mère. vraiment à l'autre bout, gros. Non, mais c'est pas grave. Ah, Mais tu arrête vas de me voir. taper, fils de pute, là. C'est fou. Et tu me mets Ouais, je sais, quand t'es à terre, il... Tu vois où je suis? Ouais. Enfin non, tu vois pas, du coup, mais... Si, si, je vois. Du coup, va choper la MP5K là, je sais pas si tu te rappelles à la boîte. Je vais jeter des singes. Telle machine est sortie comme je sais pas quoi alors. Les spawns échangent et tout. Mais il n'est que ta mère, ça m'énerve. Voilà. Casse ses couilles. Bon, ça va que je souffle, hein, mais je serais mort 6 fois sinon.
un peu chaud quand même, gros. Ah, t'as bien vu deux coups de souffleur, ça a pas marché. Ouais, j'ai vu. Je fais quoi? Je bouge de là, je reste là. Ouais, je vais Reste là, finir ce gros. coffre là. Hein. Non, mais J'ai même pas. Ouais, ils sont cinglés, hein. Mais je sais même pas où je suis là, je serais même pas à revenir, tu sais quoi. ah bah, je sais même pas où tu es en fait là. Ben, comment en fait, on va faire la même, hein, par contre, regarde. Bah là, gros. Mange 10, ça commence à être tendu. Ouais, viens là, viens là. Gaffe derrière, il y a un spawn aussi. Hein. Ah ouais. Quoi? J'ai plus de balles? J'ai plus de balles de Merde. Thunder Gun. On est mort. Encore un singe là. Ouais. C'est le dernier. On se casse, on se casse, on se Bah casse. viens, remonte. Merde, ça glisse. Non, c'est pas un cul-de-sac, c'est pas un cul-de-sac. Viens, viens, viens. C'est bon, j'ai rouvert. Monte, 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 monte. Je sais pas où t'es. Tu peux repêcher une arme là, je sais pas ce que c'est. Trace, trace. Non, n'en tue pas derrière toi, gros. Au pire, c'est vrai, il en reste que 9. Vas-y, fais des rampants. T'as des grenades ou tu veux que je les fasse? Gros, ah ouais, c'est bon. Garde-les les deux, hein. Vas-y, fais-toi des points. Bien joué. Du coup, on va garder les deux là. Je pense que le téléporteur t'a initialisé, il était là, là, ici. Putain, Attends, pourquoi je j'arrive plus à recherche tourner? ma souris. Le merde, c'était pas où j'avais tout ramassé Non, mon pas. cœur. C'est bon, par là. Tu t'activeras le téléporteur au passage? Ouais, je tourne. Et ce bruit de sirène là, hurlante là, c'est casse-couille. Allez. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux te téléporter là-bas? Mais pourquoi tu m'as téléporté? Je t'ai pas téléporté. Si t'es resté Hein? dessus, forcément, ça t'a téléporté. T'as pris ton instant? Ben non, ça j'arrive pas à le retrouver, ma souris. Là, 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 regarde. Va tout de suite là. Ah non, ouais, c'est vrai qu'il a changé. Allez, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté, ouais, c'est de l'autre côté, excuse-moi. Ah, excuse-moi, ouais, dans ma tête, c'était encore là-bas. T'as mon gars, il est sauté comme je sais pas quoi là. Non, c'est pas là. Ouais, c'est là. Là, ouais, c'est là, après toujours tout droit. Et tu m'as dit, voilà, c'était par là, là. Non, non. On a pas sauté comme ça. Non. Là, là, gros, Putain. viens, 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 là. Ah bah attends, je vais le remonter là. Bah, remonte, j'ai ouvert, hein. Là. Ah oui. Il est où ton téléporteur, là? Je sais plus. Celui que t'as activé. De l'autre Bah côté, du attends. coup? Putain, je sais même pas où. Vas-y, vas-y, je vais te suivre. Là, là, viens. Il y a l'autre par là, je crois. Non, 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 non. Là, 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 viens, viens. Vu qu'on n'a pas ouvert des deux côtés, en fait, si tu veux, ça se rejoint pas, donc on est obligé de faire le tour.
Voilà, t'es parti par là, après je sais pas par où t'es parti. Voilà, je crois. Ah mais à la vitesse où tu vas là-dedans, toi. Non, c'est même pas là. Je raconte comme merde. Ah si, c'est là. Non, maintenant il faut aller tout en haut. Ah si putain, mais on a fait un putain de détour pour rien là. J'aurais pas le temps. Moi j'y suis. Et du coup, faut faire quoi après? Hein? Bah, je sais pas. T'as des bonnes questions, gros. Attends, 5 minutes, gros. Moi, Allez. j'irais bien améliorer le souffleur, tu vois. Faut sauter, non? Ah ouais, c'est juste pour te téléporter, quoi. Quoi? J'avais 5 000. J'ai payé pour ça, quoi. Comment c'est vilain, mais comment c'est vilain, les gens. Je me suis fait carotte, mais sévère. Là, on a ouvert. Toi, nique ta mère, je me téléporte plus. Dis-moi dès que tu trouves une porte à ouvrir, gros. Ouais, mais je suis complètement à l'ouest. Ah, j'avoue, hein, elle déboussole la map. Hein. Stamina up, c'est pas du foutage de gueule de mettre stamina up là. Je l'avais une porte à ouvrir par là, gros. Oh. Attends, je crois avoir vu une porte. Là. Ah oui, c'est vrai en plus. Sauf vers où? Au-dessus, je crois. Alors, ouais, je sais pas en fait. C'est le bordel, hein? Attends, ça juste ça se trouve ouvert derrière nous. C'est un truc de ouf. Il reste encore deux coffres. Trois coffres. Âme. Ouais. Sérieux les gens, c'est pas. Ouais, c'est déroutant. C'est pas ça ouvert où en fait. C'est un truc de chèvre. Hein.
Il y a la boîte là, gros. T'es où? Où je t'ai dit, tu sais, l'interrupteur à 1000, je t'ai dit, ça sert à rien de l'ouvrir pour l'instant. Tu remontes par le courant où on active le courant. Et après, tu verras sur ta droite. Sur ta gauche, pardon. Enfin, où t'arrives, toi, normalement. Ah, t'es là. Ouais, c'est pour ouvrir des escaliers. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir des escaliers ou pas? Là, ça ouvre là en fait, si tu veux. Et ça ouvre dans la salle où il y a la boîte là-haut. Où il y a de l'eau et la boîte. Mais c'est Moi, je bon. dis faut pas ouvrir là. Vas-y, je tente ma chance là. De toute façon, il n'y a plus rien d'autre à ouvrir. Nique ta mère. Ce que je fasse avec l'Olympia là. Bon bah je sais pas, faut remplir les boîtes à âme. Je sais pas où il est le pack à punch. Ça se trouve c'est pour ça hein, les boîtes à âme, c'est uniquement pour le pack à punch. Parce que le téléporteur il m'a bien niqué de l'argent, c'est pas fait pour aller au pack à punch. C'est si t'es dans la merde en bas, bah hop tu remontes comme aigle. Du coup non, la salle elle est là-bas, où je vais moi. Donc gros, viens avec moi dans la salle. Mais c'est pas tu me mets des grenades comme t'as fait tout à l'heure. Soit on squatte tous les deux au même endroit. Parce que là dans la salle, justement où je t'ai dit de pas ouvrir la porte, toi tu peux squatter en haut des escaliers, ils viendront pas te casser les couilles. Ils ont spawné en dessous de mes pieds. Ils seraient n'importe quoi. C'est pour ça que je suis mort tout à l'heure, gros. Dans les escaliers? Oui, il a spawné dans l'escalier, le machin est sorti de l'escalier, je sais pas comment il a fait, qui m'a buté. Enfin, en fait, rien. En fait, j'étais là-haut. Tu vois, j'étais là. En fait, j'étais là. Le machin. J'étais avec des potes. Bah non. Ouais, non, mais gros. Fallait pas te mettre là. Fallait te mettre là, surtout. Parce que là, toi, ce que tu dois défendre, si t'es là, c'est cette putain de fenêtre. Ça y est, j'ai encore mon bug pour tourner. Et puis, de temps en temps, voilà. Mais même là, regarde. Hein. Easy, hein. Tu peux tirer. Mais tout à l'heure, toi, t'as fait quoi? La méchante idée. Cana grenade, je vais t'appeler. La vie de ma mère, je vais te rebaptiser comme ça. C'est toi, tu jettes toutes tes grenades. Dès que tu vois des zombies, tu jettes toutes tes grenades. Puis à la fin, ah, il te reste des grenades pour faire des rampants. Non. Ok. J'ai peut-être trouvé un truc. Un bug. Voilà. Tout à l'heure, il nous a trouvé un bug hors enregistrement. Il est resté bloqué comme un con dans un mur. Arrête, 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 arrête. Ça sert à rien. Vas-y, on s'est pas fait chier. Ça fait combien là? Ça fait 54 minutes qu'on se fait chier. Enfin, d'enregistrement, donc ça fait presque le double qu'on se fait chier là. À essayer de faire cette putain de map. Le truc c'est que moi j'ai plus de Thunder Gun, j'ai plus de singe. Donc là je vais tourner quoi. Voilà, je vais tourner, j'ai pas bien le choix. T'as quoi comme arme? MP5. Mais elle est pleine ou pas? Ouais. Vas-y, 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 viens, 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 viens. Ça va, il faut buter le dernier. Bah, il va crever tout seul. Bon bah voilà les gens, je vous préviens, on va mourir ici. Mais on n'a pas bien le choix, franchement, vous voyez ce qu'elle offre comme possibilité la carte. À la limite tourner dans le sens de la map là tranquillement et tout, ouais. Mais si on veut faire les objectifs, c'est-à-dire remplir les coffres, c'est ultra chaud, mais on n'a pas le choix là. C'est ici qu'il faut squatter. Là, faut squatter à deux, comme ça il y en a un qui le décharge un peu. Au moins, j'ai pas de spawn de là-haut. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est parti, c'est la guerre. C'est là qu'on meurt. En plus, on s'est bien refroidi, à rien branler là. Tu vois, regarde, même les palettes, elles disent qu'il faut tourner. En fait, je tombe, je suis dans la merde. Ouais.
Non! Nique ta mère. Non, genre j'ai loupé le... J'ai le souffleur, hein. Heureusement que je suis là. Hein. Tu peux me couvrir? Mais... Putain. Vas-y, vas-y. J'ai loupé. Ah, j'ai loupé le bar. Vas-y, hein, c'est à toi là maintenant de tourner. je peux rien faire. J'ai loupé le mal de munition max. Par contre, c'est bien qu'il nous laisse le souffleur à terre, franchement. Mais bon, de toute façon, c'est la fin. On va pas sauter, gros. Non. Bon bah c'est fini. Pour l'honneur. Eh, 12 manches, 12 manches, c'est bon, pour l'instant c'est le record. Mais c'est impossible les gens, c'est impossible, c'est impossible, c'est un truc de ouf. C'est un truc de niquer cette map. Elle est belle, elle donne envie de la faire, mais elle dégoûte un peu, voilà. Ouais, on met sur pause, puis on se retrouve. Ah ouais, t'es chaud comme ça, non? Ouais. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Ok. Oh tiens, bah on met pause, on se retrouve. C'est tiens, si vous voulez jouer. Moi je vous garantis, je touche pas la manette. Voilà. À de suite les gens. Re les gens. Bon bah voilà, on est en mode triche. Comme des salopes. Ouais. Non franchement, ouais voilà. On s'est mis le gun mode pour l'instant. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne quand même, parce que vous avez bien vu que franchement c'est pas impossible, hein, je pense pas, mais voilà, on peut envie de se prendre la tête plusieurs fois qu'on essaye la map. Vous voyez pas forcément tout, on vous montre aussi ce qu'on a envie et, ou pas. Il en reste qu'un. Donc voilà, j'ai eu la Peacekeeper dans la boîte. Regardez le camouflage, franchement, avec du sang et des boîtes. Et j'ai le pistolet laser qui me, pour l'instant, me sert à rien. Et toi, t'as quoi, de la MP5K et t'as quoi d'autre? Là, je suis comme. Je suis comme Gounia. Ouais. C'est quand même bon, hein. Donc on a déjà fait la première boîte, hein, toute simple à faire, celle qu'on arrive à faire. Celle où on est mort aussi à chaque fois là, où il y a de l'eau. Et là donc on a la troisième boîte à âmes. Et puis j'ai dit allez pourquoi pas, on vous remontre. Hein. Alors ceux qui ont envie d'accélérer, ils accéléreront la vidéo, enfin vous passerez. Ceux qui ont envie de regarder, regardent. Faites ce que vous voulez hein, en fait. Hein. Puis ceux qui ont envie de regarder, vous regardez pas aussi. Ah ouais, ça peut être bien ça. Il disparaît là mon vite fait. Ouais, 3 boîtes. Donc on continue, on progresse maintenant. On a rien à foutre d'ouvrir, pas ouvrir. Attends, là gros sur le mur là. Tu te rappelles cet interrupteur, en plus il clignote sa mère en violet. Tu vas l'ouvrir ou je vais l'ouvrir ou tu regardes où ça ouvre. Comme tu veux. Non vas-y, ouvre-le, attends. C'est bien d'avoir attendu. C'est pas mal.
J'ai l'impression que c'est ouvert là. Mais ça ouvert là. Il y avait là Enfield et tout là tout à l'heure là. Non. Si, quoique on est passé là, je crois, en fait. Je sais pas. Je sais pas ce que ça ouvre en fait, on s'en bat les couilles. On verra plus tard de toute façon. Donc là, il y a une boîte aussi à faire du coup. T'es où? Redescends. Là, 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 tu vois où? Je pense vraiment que c'est le pack à punch, je pense, cette merde. Ou alors que ça ouvre la cabine de. Je sais pas, genre, on verra de toute façon en fait. Je vais faire des suppositions à la con comme dame là. On serait mort 25 000 fois là. C'est abusé, franchement les armes, t'as pas trop l'impression qu'elles font pas de carnage. Enfin, elles font pas mal du tout. Ouais, c'est pas terrible. Elles ont pas beaucoup de dégâts. Oh, s'ils nous sortent un slick là de mes couilles, de je sais pas quoi, la tête de ma mère, que c'est bon, c'est fini. C'est fini les boîtes, les ce. Oh, les mecs, ils savent que sortir de slick, oh, sérieux. Oh, j'espère que ça en vaut vraiment la peine hein, d'avoir triché pour cette map. Je te dirai ça après. Oh. Mais nique ta mère, tu vois pas que je suis invincible, bâtard. J'aurais dû me prendre une recharge rapide, on est passé devant en plus. On n'a pas le temps. Mais ouais, putain. C'est bon, reste tranquille. Ta combinaison jaune. T'es pris pour qui? Non, fais voir ta gueule normalement. Pourquoi? Parce qu'on a les voix des persos là, de Nicolas et machin et tout le bordel. Mais on a les skins des CDC. Je voulais voir si le mec il avait mis juste la combi par-dessus les. Et protagoniste, ou s'il avait juste repris des CDC là. Du coup, on monte. Bon. Vas-y.
Elle est où là? C'est une porte, ça? Donc là, il y a le courant. Tu sais qu'on aurait pu ramasser toutes les parties aussi, là. Ça l'a mis ou pas? Elle est où la dernière boîte? Je suis en train de la chercher là. Elle est là. Ah, elle est pas là, bah merde, elle est où? Voilà, on est bien comme des cons. Ah si, on peut ouvrir quoi? Je sais pas vraiment là en boîte en fait. Peut-être mettre le courant aussi. Je dis ça. Si t'arrives à rechoper le panneau, je sais plus où il est le panneau. Non, je l'ai. Et la poignée. Poignée, elle est là-bas. Ouais. Non, je crois qu'elle est là-bas. Ah c'est bon, moi je sais où elle est. Je m'en bats les couilles pour l'instant, c'est pas ça que je veux, c'est je suis complètement perdu, tu sais quoi, même là il y a le gun mode et tout, je m'en... Ah voilà, si c'est bon. Putain, je suis normal, moi je cherche la pièce pour le courant. Du coup t'as tout ouvert là? Ouais, par là, c'est bon. Ouais. T'as monté le panneau? Là, attends, je suis en train de chercher là. Là, gros. Ou la pièce verte où il y a de l'acide. Attends, si on faisait des rampants. Voilà. Voilà. Donc viens, c'est par où les escaliers là? D'où j'arrivais? Où je t'ai dit ouais, où fallait pas ouvrir ta là? Non. Non, là. Non. Là, là, viens. C'est bon, je trouvais. C'est bon? Là. Juste viens, on va prendre Speed Cola et après je t'emmène. Ah bah non, je pensais que c'était là parce que tout à l'heure fallait ouvrir, mais en fait non, en fait tu peux ouvrir des deux côtés. C'est pas mal. La première pièce, tu te rappelles qu'on avait ramassé au tout début? J'y vais, j'y vais, j'y vais. Laisse-moi la prendre, s'il te plaît. Tu me dis juste où elle est. Ouais, j'ai déjà ramassé la première pièce. Tu l'as sur toi là. Je l'ai pas. Je la vois pas. Ah ouais, c'est vrai qu'on la voit pas. Monsieur. Alors attends. Ça
C'est là, là, tout à l'heure, qui dit ça. Il y avait un message chelou. Ouais, donc là, la table de craft, ok. A, B, C. Ok, c'est bon, on a tout mis. Non, je pense que c'était juste un bug d'affichage, du coup. Tu regardes sur la table de craft, ils te disent. Enfin, t'as les photos de ce qu'il faut. Comment on va par là, là? Ben voilà. Une table là. Non. Pour le son, ça. Là, là, gros, viens, viens, viens. Là, on n'est jamais allé, là. C'est là que j'ai ouvert tout à l'heure. Avec le violet. Le violet ouvre la partie violette, c'est tout. C'est comme ça, non? Je crois. Bien joué. Putain, mais en fait, elle est grande. Ok, trois armes. Je le veux. On a une batterie là. Tu l'as ramassé? Ouais. Attends, je vais. Un téléporteur. Ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Si je retrouve la sortie, ouais, c'est par là. Active-les tous. Il y en a deux encore en bas. Non. Tu te mets pas dessus par contre. Toute façon, là on va pouvoir y aller, les gens. Je pense que c'est ici. Et après, on active là pour activer ce putain de truc là. Ah, c'est bon. Non, Donc, il y en a un autre. Ben, ce dehors, je peux pas l'activer, hein, gros. Non, mais pas dehors, j'y suis dehors. Dehors, c'est celui qu'il faut maintenir. Il y en avait un autre. Il y en avait deux. Ah bon, bref, on s'en branle, de toute façon, c'est pour revenir là. Du coup, il y a quoi dans les putains de souterrains là? Il faut continuer à avancer. En fait, on va arriver où il y a le courant au début. Exactement, je suis sûr que c'est ça. Mais comment on y accède? Tu vois, par exemple, ce téléporteur là, voilà. Ah non, non. Ah ouais, puis il m'a bien niqué de l'argent aussi. Cette pute. Il y en avait deux, des putains de téléporteurs. Ah, il est Ah, là-bas. j'en ai un là. J'en ai un là. Ouais, bah ouais, celui où on a fait le deuxième coffre. Ouais, mais. Je suis plus en haut, moi. Le pas le deuxième, le troisième coffre.
Mais je pense pas que ça ait une incidence sur le chemin qu'on doit prendre. Hein. Non, t'as pas été l'activer? Ben, je sais pas où vous êtes. Enfin, c'est où? Bon bah reste en bas alors. Oui. Bah mais tu sais pas où faut aller l'activer, tu m'as rejoint pourtant. Je suis dehors. Ah. Ah, il y a une porte qui est ouverte. Bon bah en fait si, ça avait une incidence. Attends-moi, hein, si jamais tu vois une porte ouverte ou je sais pas quoi. Hey, franchement, tu dois faire ça. Tout ce qu'on a fait là. Non, du tout. Donc, on remonte d'un étage. C'était où là qu'on s'était perdu, Sarah? C'était par là. Voilà. Ça, c'est le secteur qu'on n'avait pas dé. La porte, elle est pas ouverte. Et la porte de tout en haut. Vas-y, je prends un téléporteur. Pourquoi c'est tout rouge? C'est ouvert Ce là? sera non là il faut la carte ici là. Pas une carte, faut y réparer. Moi, à mon avis, regarde. Tu vois là-bas, on arrive de là-bas là. On arrive là pour activer ce panneau là qui doit ouvrir ça. Voilà, je pense que ça doit être ça. Maintenant, faut trouver quelle porte on a ouvert. Ouvert. Deux. Ouais, ouvert. Regarde là, c'est pareil derrière, on peut y aller là. Eh, c'est un bordel cette map de merde, hein. Toi, t'as une batterie, t'as deux pièces. Donc forcément, il faut les poser quelque part. C'est pareil, le pack à punch, non? Jamais. Non, c'est qu'une décoration de panneau derrière, gros. Hein? C'est qu'une déco. Ok, mais on a ouvert quoi alors, putain? Parce que ça a dit, t'as entendu comme moi? Ou pas? Il a dit ça ton perso? Au dernier téléporteur? J'ai pas entendu. Moi, il m'a dit super, la porte est ouverte. Et en plus, ça fait vraiment un bruit, hein, tu sais, enfin, ça fait trembler l'écran, t'as bien vu. Il y a forcément un truc qui s'est déclenché, mais où? Ça fait 15 000 fois qu'on fait le tour là. Bon, ça me cassait les couilles. Déjà, je vais mettre pause sur la vidéo là parce que là, franchement, je pense que il y en a. Ça va vous saouler. J'allais dire il y en a, mais vous êtes tous saoulés. On va continuer à tourner, à chercher. Hein. Là, c'est chelou aussi. Il y a une échelle et tout. Bon, bref, on va chercher et dès qu'on a du nouveau, je remets play. À de suite. Re les gens. Et bah, du coup. Donc on s'est pas mal pris la tête, ça fait plusieurs fois qu'on recommence, qu'on trouve pas de solution. Et on l'a enfin trouvé. Alors, déjà ici, on croyait qu'au début on allait trouver un truc de ouf à 3000. En fait, on peut voir in case of emergency, donc je crois que c'est en cas d'urgence, un truc comme ça. Mais voilà, en fait ce n'est que la faucille, mais qui peut quand même pas mal aider. Donc je vais vous montrer un peu. Comment on a trouvé, enfin, qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis, pas changer d'avis, mais plutôt nous mettre sur la bonne voie. Donc je vous rappelle qu'on est en gun mode, qu'on a fait 3 boîtes à âme, toujours. Merde, c'est où que la fameuse Sure. porte, c'est là, ok. Donc là, ici, vous avez la fameuse porte que vous pouvez ouvrir. En bas, donc où c'est violet, ça ouvre le violet.
Ensuite, vous avez un interrupteur là qui va dégager les décombres ici. Et ensuite, vous arrivez dans cette pièce. Et voilà, je bloquais sur ce truc-là avec le chiffre, enfin la lettre, pardon, B en dessous. Donc au début, on a fait des boîtes pour trouver s'il n'y a pas le Wonderwolf, tout ça. Et il n'y a pas. Donc j'ai trouvé un autre truc sur la map qui ressemble, enfin le même élément sur la map. Je vais vous faire voir où il est. C'est vrai que c'est induit en erreur. En plus, c'est pas très loin. C'est juste en dessous. Donc on enlèvera le God Mode en temps voulu, hein. Puis ou pas en fait, on s'en fout. C'est juste que donc c'est possible hein, de faire cette map sans God Mode et tout. C'est pas un truc de ouf. C'est-à-dire c'est plus pour les coffres RAM que c'est franchement difficile. Voilà sur quoi on s'était penché. Puisque regardez, vous avez le même élément que à où il y a la lettre B. Et ces espèces de trucs là qu'on peut voir. Je crois qu'il était apparu sur Origin et qu'on retrouve souvent sur le Custom Map Zombie. En général, ça sert. Et moi, au début, je me faisais un tas d'hypothèses. Je me disais, ouais, ça se trouve, c'est l'eau qu'il faut activer. Ça fait cette turbine-là. Mais en fait, rien à voir. Alors, je vais vous montrer comment. Comment on trouve, enfin comment on en arrive à trouver, bah c'est-à-dire de toute façon déjà la map c'est bon maintenant on la connaît, il n'y a pas de problème tellement on l'a squatté. Et donc pour arriver à la lettre B, bah voilà tout simplement voilà regardez ici, ici vous pouvez apercevoir un A. Voilà et là j'ai tiré dans un espèce de, je sais pas ce que c'est, un tableau électrique. Voilà, à tout hasard. Et une fois que qu'on a tiré là, on est retourné à la porte. Et là, comme par miracle, elle est ouverte. Et ici, donc, vous avez un cadavre, vous avez le pack à punch. Et vous avez aussi un interrupteur ici, qui est à 1250. Donc, attends, Kana, tu restes là vite fait? Oui. Alors, vous voyez bien qu'il est 8:30. Et ça, c'est d'ailleurs un truc, je l'ai fait la réflexion. Je sais pas si je l'ai fait hors enregistrement ou enregistrement, puisque sachant qu'il s'est passé du temps là entre cette partie et ce que vous verrez en première partie de vidéo. Mais j'avais fait plusieurs fois la réflexion. Kana, te rappelle, je t'ai dit ouais, 8:30 et tout, ça doit être vraiment un truc. Bon. 8h30, je sais pas quoi, enfin bref. Et tout simplement, bah là, on va revenir à la surface. Et à cette fameuse porte mystère avec l'interrupteur cassé où au tout début je disais ouais il va falloir le réparer. Et on peut voir 8:30. Donc bah vas-y Kana ouvre. C'est bon. Voilà. Donc voilà. En fait l'interrupteur d'en bas ouvre ici. Et ici on arrive dans un parc assez étrange. Vas-y, je te rejoins, un gros. Pour le fameux coffre. Oui, alors attendez, attends 2 secondes. Alors voilà, donc on peut voir aussi qu'on arrive donc. Bah, je vais vous faire voir vite fait les lieux. Il y a une espèce de météorite ici. Vous allez voir après à quoi ça sert. Ici, vous avez des. Voilà, vous avez des armes améliorées. Enfin, en tout cas, une arme améliorée. Qui est la PDW. Et moi, j'ai la Peacekeeper. Taché de sang là que je trouve vraiment magnifique le camouflage. Donc là on peut voir qu'on a une arme améliorée. Mais on a pu voir qu'on n'avait toujours pas accès au pack à punch. Donc au pire gros tu peux rester où t'es. Oh bah attends, une seconde, je suis en train de taper une boîte. Donc bah non mais c'est pas. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a la lettre B. Et tout simplement exactement le même ordinateur. Au pire toi Kana ça tu l'as pas vu. Non. Mais viens voir. En fait, tu vois où j'ai tiré sur. Tu sais où il y a la Ouais. lettre A, bah t'as le même. Bah du coup, j'ai dit, je vais faire quoi? Je vais tirer aussi là. Voilà. Et on entend encore Samantha qui dit, tu t'amuses bien. Et donc, du coup, après, on retourne à la lettre B.
Et puis moi je te suis comme un con. Ah, c'est pas là. Si, tu peux par là. On s'en fout, tous les chemins amènent au Rhum. Ouais, j'ai fait un putain de détour, mais nique ta mère, on s'en bat les couilles. Moi j'adore ici passer par là, franchement ce décor il est vraiment mortel, ça fait penser à Buriad et tout. Donc pour l'instant, comme je vous ai, je le répète, on a fait que 3 coffres à âme. Mais vous allez voir que c'est pas fini et je ne sais toujours pas ce que ça débloque les coffres puisqu'on a là. Oui, il y a un coffre ici. Ouais bah attends 2 secondes. Hop, moi je sais qu'il y a un coffre ici puisque je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là et je me suis dit hop, on fera la suite avec avec Yana. Donc voilà, vous pouvez voir que la porte ici qui était fermée s'est ouverte. Bah justement quand j'ai tapé sous sous la tente là sur putain je permets moi je suis désolé. Putain on a toujours pas activé le courant, honte à nous. Donc du coup non 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 pas honte à nous. Pas honte à nous. Comme ça c'est bien. Vous pouvez voir qu'il y a le pack à punch, mais qui est éteint. Vous pouvez voir ici une table de craft. On sait pas pourquoi, mais si on sait pourquoi. Puisque vous vous rappelez qu'en début de vidéo, on ramassait plein de pièces, mais invisibles. Donc je vais vous montrer tous les emplacements des pièces. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de me voir traverser la map, vous pouvez accélérer la vidéo. Le courant active-le pas, hein, je l'activerai moi. Sachant qu'en fait, quand vous activez le courant, et au début, c'est vrai qu'on n'avait pas Tricard, que quand on activait le courant, en fait, on ramassait quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pièce sur la table de craft du courant. Donc la première pièce, elle est ici. Et vous pouvez voir que c'est un panneau, et que c'est invisible, mais ça voulait. Déjà, on le ramassait déjà au tout début de partie, hein. On ne savait pas trop où ça allait. Ici au courant, donc sur la table de craft, voilà, vous avez une clé, une carte clé quoi en fait. Et ici, le courant, voilà, vous regardez le début de la vidéo, le courant il est pas compliqué à crafter puisque les pièces ne changent pas. Seuls les atouts sont aléatoires sur cette map quand vous redémarrez la map. Voilà. Donc là j'ai le panneau, le lecteur de cartes. Il y a encore une pièce vers la météorite gros. Ah oui, vers la météorite il y a une pièce. Bien joué. Et puis après on redescendra à la porte. J'aime pas ça quand je peux pas buter à tout va. Mais ferme ta gueule, tu vas buter à tout va. Donc ici ouais, en plus j'ai même pas fini de vous faire. Voilà, ici, voilà. On peut voir qu'il y a un lecteur de cartes. Donc on a la carte, on a le lecteur de cartes et on a un panneau. Voilà, c'est ici que je voulais vous faire voir qu'il y a un Amomatic Soda. C'est-à-dire qu'en fait vous payez 2750 pour recharger l'arme que vous avez en main. C'est un atout. C'est pas un atout qu'on découvre, on l'avait déjà vu sur d'autres customs. Donc ensuite, on va redescendre à la porte. Donc ouais, c'est un peu bordélique. Au moment, on vous fait voir les pièces, les machins. Les pièces ne changent pas. Et après, ça va être vraiment la découverte puisque on n'a pas été beaucoup plus loin. Voilà, on n'a encore jamais utilisé le pack à punch. Mais bon, à part l'arme ramassée par terre, on n'a encore jamais utilisé le pack à punch. Et on n'a pas rempli la boîte qu'on peut voir. Et il y a une boîte qui est invisible. Voilà, vous allez voir, Hein? hein, de toute façon. Il y a une Voilà. batterie Oui, là, oui, gros. oui, oui. Il y a la batterie ici à ramasser. Voilà. La batterie toujours sur le Fenwick. Elle est toujours là, pareil. Donc c'est pour ça qu'on est remonté. Et comme ça,
On fait les trucs à peu près dans l'ordre. Donc maintenant que vous allez à la table de craft, voilà. Vous pouvez crafter. Bah, de toute façon, vous pouvez voir, hein, il y a les schémas. Comme à la table de craft. Donc le panneau, la carte, le lecteur de cartes et la batterie. Donc là, j'ai tout crafté. Et du coup, voilà. Vous avez construit le endgame. Le endgame qui est à 100 000 points sur le côté. Ici. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir cette boîte-là. Et bah, de toute façon, je vais pas faire de coupure. Si vous voulez accélérer, vous accélérez. Vous faites comme vous voulez. On va remplir cette boîte. Sachant qu'on a le God Mode. Vous allez voir que. Franchement. En même temps, je sais pas, je sais même pas d'où ça sort ici. Voilà, à partir de maintenant, c'est une découverte pour nous aussi. On n'a jamais fait les coffres entièrement. Je sais où est le dernier coffre, puisque j'ai tué, voilà, par hasard des zombies là-bas. Et je me suis dit, ah bah tiens, il y a un coffre. T'es où, gros? Ah, tu cherches le dernier? Bon. Attends, je vais faire plus rapide. Bien, c'est dès que j'ai 5000, je pourrais améliorer directement. Le pack-a-punch, il est vraiment beau comme ça. Hein. Je me rappelle plus sur quelle map aussi il était comme ça. Voilà. C'est-à-dire que le pack-a-punch, il a déjà un camouflage en fait. C'est mortel. Donc ça peut aussi vouloir dire que le camouflage sur certaines armes va être comme ça. Je sais pas. On verra. Donc la map, comme je vous ai dit, c'est tout à fait possible de la faire. Mais vraiment pour faire les boîtes en légit, franchement c'est ultra tendu quoi. C'est ultra tendu. Je dis pas que c'est impossible. C'est pas. Ouais, je dis pas que c'est impossible, mais c'est que ça reste vraiment tendu. Donc c'est sûr, avec une arme améliorée, ça va beaucoup mieux. C'est ce que je disais aussi sur cette map. Le gros point noir, c'est que les armes, elles font pas énormément de dégâts. Les armes non améliorées. Vous avez beaucoup d'armes de BO2, pour pas dire que. Et elles font pas vraiment de dégâts, quoi. C'est ça qui est dommage. J'ai tout de suite amélioré la Peacekeeper. Il a changé quoi le camouflage là? Ouais, donc c'est ça en fait, le camouflage il se dessine un peu ouais, la manière du skin du pack-a-punch en fait. Mais c'est faux, enfin pas sur toutes les armes puisque la PDW elle est améliorée, elle est pas comme ça. Donc on va voir les différentes armes, les différents camouflages. On verra ça après. Il manque vraiment recharge rapide. Hein. La Rest in Peace, elle s'appelle la Peacekeeper améliorée. Ouais, je vous laisse voir tous les zombies qu'il faut là-dedans, là. C'est un bordel. T'as amélioré quoi, gros? Peacekeeper? Non, le Python. Il est bien? Ouais, il s'appelle le Cobra. Tu vois le camouflage si je le vois? Non, je le vois pas. En fait, moi, Vous je vois voyez qu'il pas faut vraiment. énormément de zombies, puis plus on avance dans les boîtes et. Donc après je pense qu'il doit avoir une logique, hein. Il doit avoir une boîte. Les boîtes
les boîtes les plus dures à faire en premier, mais c'est pareil, pour accéder aux boîtes aux plus dures, il faut pas mal de points, donc avancer dans les manches. C'est pour ça que je dis vraiment à jouer légalement pour faire les boîtes, c'est tendu. Il y a une bombe, on va essayer de pas la prendre. Ah putain. En plus, on peut snash ave si on y arrive. Je suis bloqué. Moi ça va, j'ai réussi à passer. Ah, c'est bon. Donc bah là, grosse surprise, hein. Grosse surprise, puisqu'on sait pas ce que la boîte délivre. Déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est pas endgame, puisque la endgame, on le construit. Ici, donc voilà, c'est tout. Encore pour mettre de la musique. Il y a quand même pas mal de tables, on peut mettre de la musique. Tiens, bah ramène des zombies, puis je vais vous montrer tout simplement où se trouve la dernière boîte. Moi j'ai lag à chaque fois que je viens ici, gros. J'ai. On sait, je suis en train de laguer à mort là. Dès que je viens ici, ça lag. Je sais pas pourquoi. Waouh. Ouais, t'en accéléré. Ouais. On est en accéléré. Donc là, le seul truc bien ici, c'est que si on squatte l'entrée du tunnel, il n'y a aucun zombie qui vienne par derrière. Il n'y a pas de spawn de derrière. Donc là, c'est une boucherie. Si vous avez. Si vous avez recharge rapide, c'est une boucherie. Il y en a, il s'est barré sous. Il y en a deux, il se barre sous la tente. Donc voilà où est la dernière boîte, en fait. C'est la météorite. Ah putain, le compte zombie m'a bloqué dans l'arbre. T'es bloqué là? Je suis bloqué dans l'arbre. Mais n'importe quoi, il m'a bourré dans l'arbre en fait, ce con. Ah mais normalement t'es pas censé, ouais t'es censé crever quoi. Au pire, ressort en no clip, hein. Oh, j'attends qu'il y a des zombies qui me bourrent. Donc c'est un peu vilain, je vous l'accorde, les gens, mais au moins. Au moins on se pète pas les couilles à recommencer 14 millions de fois la map. Et je peux vous dire que vraiment on s'est cassé les couilles pour cette map. On a eu l'aide de personne. Bon, vous allez me dire ouais, vous avez l'aide de personne, mais vous avez mis un truc God Mode et tout. Donc ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça aide. Mais voilà, je veux dire, on a été voir en nos clips nous-mêmes, machin. On s'est quand même bien baladé sur la map pour trouver. T'es toujours bloqué toi? C'est ah bon. Non. Ils m'ont quand même débloqué, c'est bon. Ah. Bon, en espérant que c'est la dernière boîte et qu'il n'y en a pas d'autres cachées aussi. Hein.
Après, on a quand même bien, on avait bien fouillé quand même, hein, la dernière fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là qu'on a bien fouillé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait une boîte là-dessous. Donc en fait, pour... voilà, il a mis une boîte, le créateur a mis une boîte sous la météorite qu'on n'est pas censé voir pour que voilà, ça fasse style que c'est la météorite qui absorbe. Mais nous, on l'a vu. On l'a vu qu'il y avait une boîte là-dessous. C'est pas des coups de lag, voilà ça. Pas terrible, hein. Bah, il y a qu'ici, hein. Il y a qu'ici qu'on lag. Hein. Je sais pas pourquoi. Il doit avoir un truc, je sais pas. Tu sais que tu peux aller chercher des munes hein, là-bas. Après, je vais me chercher recharge rapide quand même parce que là. Je sais pas s'il y a coup de pied arrière. C'est Putain. lié, Ouais, je crois. il me semble qu'il y a aussi. Je crois que j'avais pris. Oui, il est. Bah, il est où? Vers le Fenwick où on prend la batterie. C'est sûr, hein. Non, c'est 3 armes maintenant. Bah oui, bah c'est coup de pied arrière. Ah oui, oh putain. Ouais. Et sur le moi je suis à l'ouest. Mulkick. Bon, on est tous les deux à l'ouest, hein. D'ailleurs on s'excuse, puis de toute façon ça s'entend qu'on est à l'ouest. Moi je bafouille, je m'embrouille. Vraiment, franchement les gens, vous voyez vraiment la partie visible de l'iceberg. Ah bah c'est bon, on l'a fini, hein. On a les armes secrètes qui sont des lasers 2. Genre on s'est fait chier la bite pour ça. D'accord. Oh, on l'a fini. Hein. Ce serait bien de faire des rampants. Ah bah c'est parfait, y en a. Vas-y, fume tout ce que t'as là. Putain, c'est horrible là, ici comme ça lag. Je lag partout là, gros. Je te le dis. Non, moi ça. Ben ouais, c'est parce que c'est moi qui suis là-bas là. J'étais au jeu encore. Voilà. Il reste un rampant. Tranquille. Donc voilà, bah tout ça pour un laser 2, quoi. Pas terrible, hein. Franchement, bah ouais, bah c'est ce que je disais. Franchement, la difficulté, enfin la récompense, elle vaut pas la difficulté de la map en fait. Voilà. Encore une fois de plus. Voilà. Donc franchement, vraiment pas déçu d'avoir mis le God Mode pour ça quoi en fait. Ça aurait été un truc de ouf et tout, enfin vraiment un truc, voilà, qui change. Bah après. Et voilà, je le répète, c'est quand même une map assez ancienne. Hein. Elle a, je crois qu'elle a 2 ans. Ou... Je sais plus, je te l'avais dit, gros. Hein, qui est... Ouais, je me rappelle plus gros. Elle a plus d'1 an, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je voulais chercher? Ah oui, coup de pied arrière. Coup de pied arrière, on va faire de la boîte et puis bon, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte.
Donc toi, t'as eu le piton, t'as eu quoi d'autre? T'as eu des armes Non. Non, non. What the fuck, comme diraient les jeunes? What the fuck? Speed Cola, tu l'as vu? Tu sais, on avait trouvé le masto tout au début, en premier, la première fois, celui des Ouais, escaliers. ok, Cimer, je vois, tout à fait. Donc en fait, je crois qu'il y a que il y a que Quick Reval, Quick Reval. Il y a que Speed Cola et Masto qui changent. Change pas ça. Voilà. Ouais, qui sont intervertis. Et le coffre, il est toujours au même endroit, je suppose. Je vois. Ou tu l'as saigné, tu l'as fait Non, j'ai tomber. pas signé, j'ai pris que deux bases, gros. Donc la MP7. La Même MPL, tour. j'en veux pas. Vas-y, tape une boîte. On va améliorer le laser pour voir un peu le camouflage. Le laser 2. La Enfield, hein. Voilà. Mais elle est achetable, tu peux l'acheter par terre. Comme la MP7 d'ailleurs. Ah, la LSAT, par contre, là, elle est pas. On peut pas l'acheter. Améliorer, elle doit être sympathique. Ouais, j'ai pas vu. Le laser 2 l'a amélioré. C'est écrit en vert. Porteur marque 2 Regen. Il n'est pas amélioré. C'est le mien, c'est. Le tien, il est amélioré? Ouais. Bah, pas le mien. J'ai pas pris le piton, hein. Franchement. Non, je le conseille. Ah. Ah, bah voilà. La petite souplette. Bah Eh, écoute, putain, t'es dit. bah vas-y, pendant que tu cherches la. Bon, allez, si, on va passer par là. Pendant que tu cherches la boîte, et ben moi, les gens, je vais aller améliorer le laser. Donc, du coup, il y en a un qui a le laser amélioré et l'autre pas, alors. Ok. Moi, j'aurais plus vu deux lasers améliorés, c'était un peu logique, quoi. Non, Tu te casses c'est les moi qui ai couilles. passé au pack à punch. Ah, c'est toi qui. D'accord, je pensais que tu allais Ouais. ramasser comme ça. Ok, d'accord. Non, j'ai passé au pack à punch. Parce qu'en fait, si tu veux, même d'origine, hein, il est déjà il est en couleur, hein, le nom du jeu. Non, je Ouais, vais pas enfin, faire. il est en bleu. Après, toi, je sais pas en quelle couleur il est. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais même pas fait gaffe qu'il était en couleur. Si, il est en couleur. Donc, on va voir le camo. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le souffleur, allez, vends-moi du rêve. Donc, il y a quand même pas mal de bugs d'affichage quand même. Ah, le souffleur, ouais, bon, c'est le skin de le. C'est le skin de la machine Pack-a-Punch. Il aurait pu faire un petit effort. Comme sur celle-là, par exemple, la PDW 57 FMJ. Je vais passer à cette au pack à punch. Or. Je pense qu'elle l'a envoyé, là, ça. C'est pas la LSAT, c'est la PDW ça. Pas la PDW, la RPD. Non, ça c'est ça trop. Bien, oh, je te jure, regarde, mets-toi en face de moi. Quand tu regarderas la vidéo, gros, tu verras que c'est la RPD. C'est pas la LSAT. Que moi je vois dans tes mains. Ouais. Ah ouais, c'est vilain. J'ai fait une capture, je t'enverrai. Non Tu mais vois. j'ai pas besoin de capture. Toi, tu regarderas la vidéo à ce moment-là. De toute façon, tu m'entendras parler, donc tu regarderas. Bon, bref, il y a quand même pas mal de bugs. On s'en fout. Et là, t'as vu l'espèce de main aussi? Ouais. Enfin, les deux. Il y a quatre, trois mains. Non, mais en gros, c'est le endgame. C'est par là que tu te casses, quoi.
Donc il y a pas mal d'éléments. Donc ça, c'est le bunker de Nuketown Zombie. Il y a des éléments de Buried, il y a des éléments de Black Ops 1. Il y a des éléments. Ouais, je vais pas vous faire toute la liste. Mais il y a quand même pas mal de petites références. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gros secteurs pour tourner. Vraiment. Soit on squatte au jeu là-bas, mais dans le tunnel. Ouais, mais ça a l'air grave mort. Non, dans le tunnel. Dans le tunnel. Pas au jeu, hein. Du coup, voilà, le masto qui est là, dans la cascade. Donc soit il est là, soit il est à la place de Speed Cola. Et je crois que la PDW, on l'a dans la boîte ou pas du tout? C'est pas du tout. Jamais, j'ai pas creusé encore celle-là. Sais qu'il y a le 5-7 aussi du début qu'on aurait pu améliorer. Bref, je suis dans le tunnel. Comme ça, si on a besoin de mun, bam. Bah, quoique, ouais, je suis quand même pas mal bien armé. J'ai le souffleur. Les gens, je fais une petite ellipse en attendant le rampant, comme ça nous permet de faire une petite pause et puis je remets play dès qu'on est en train de faire un peu de carnage là, de suite. J'y vais, ça va laguer. Je crois que ça lag ici. Faut reculer. Oh putain, j'ai pas vu le zombie. J'aurais 2 minutes qu'avec ça ou quoi? Vas-y. Je vais tester le souffleur. Là, ça a l'air mort. Il y en a des bonus qui sont là. Ah, ce qui est bien dans le custom, c'est que le souffleur il donne les bonus quoi. Ouais. Contrairement à Black Ops 1, ça c'est vrai que c'est. Ouais, c'est sûr. Ça lag à mort ici. Franchement, moi du coup, déconseillé de squatter là. Ce qu'on va faire les gens, c'est que on va je vais pas on va pas on va pas se laisser comme ça. C'est que nous on va faire des points.
pour essayer de voir ce qu'il y a un peu dans la boîte. Et de voir ce que ça vaut améliorer, tout ça. Et puis après, on vous propose à la endgame à 100 000. Je vous dis à de suite. Re les gens, donc du coup, ouais, vraiment, le tunnel c'est une boucherie. Vous pouvez voir les points qu'il a fait qu'un arme. Moi en attendant, en fait, ce que j'ai fait pour éviter de vous ennuyer, c'est que je me suis givé. En fait, j'ai fait des boîtes à distance. Et les boîtes à distance, et vous pouvez avoir toutes les armes de la boîte. Et aussi bien en version normale qu'en version améliorée. Donc là, vous avez le piton. Le piton amélioré qui donne le cobra. Donc je suis désolé, j'ai activé le traceur de balles là. Vous voyez ces espèces de. Ces espèces de rayons là qu'on voit. Donc ça c'est pas censé y être, mais je peux pas y désactiver. J'ai vraiment pas fait exprès de le faire. J'aurais bien la lumière quand même là. Voilà pour vous faire voir un peu. Donc ça c'est le balista amélioré. Écoutez le bruit qu'il fait, le bordel. Alors c'est juste dommage que pour le traceur là. Ça c'est de la M14 améliorée je crois. Voilà. Ça c'est la FAL améliorée, donc du coup il y a du BO1, BO2. Il y a quand même plus de BO2. La Chicom améliorée. Donc le camouflage est sympathique. L'Enfield de BO1. Et voilà, je l'ai en version aussi améliorée. Je laisse voir le carnage qu'il fait, le bordel. Donc voilà, alors la PDW. Donc du coup, j'ai la PDW. La MPL, on s'en bat les couilles. La M27. Ah, voilà. Regardez le camouflage de l'Olympia amélioré. Ça peut être le Wheezy Double Death. La violence. Ouais, le nom du créateur de la map. Wheezy, ouais. C'est ça. Bien joué, gros. Qu'on peut voir dans le chargement, ouais. D'ailleurs, le nom il est en rouge, donc je sais pas, il doit kiffer l'Olympia, le mec. En même temps, il fait mal, hein. Mais donc, du coup. Ah oui, ça c'est le pompe là. Putain, je sais plus son nom. Le S12 c'est de la merde. Peut-être qu'améliorer il est un peu mieux. La LSAT. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ah, donc il y avait le laser aussi qui a le même cam. Donc du coup, voilà la PDW FMJ. C'est vraiment une arme spécifique que j'ai trouvée là donc. On peut trouver ici et pareil en cas d'urgence. Vous pouvez voir que c'est pas du tout la même PDW que j'ai améliorée. Elle a pas du tout le même camouflage. D'ailleurs, ce camouflage il est particulièrement joli. Enfin, en tout cas, moi je le trouve bien. Je le trouve intéressant. Donc, et pourtant, c'est une arme améliorée. Enfin, on peut voir qu'elle tire des balles améliorées. Donc, qu'est-ce que c'est que ce PDW? Je sais pas. Donc du coup j'ai trois, j'ai la normale, la PDW normale, la PDW améliorée, la PDW FMG.
Ah, vous avez pu voir le 5-7 amélioré aussi. Voilà, on a fait le tour, hein. On est bientôt aux 100 000. Je voulais voir s'il n'y avait pas des objectifs. Voilà, on a pu voir que j'avais la PDW normale. Le camouflage là, mais on dirait vraiment qu'il a il est brillant, il a trempé dans le sang le bordel. Il est vraiment beau le camouflage. La paille est doublée, hein. Non non, de l'Olympia. On dirait qu'il a trempé dans le sang le machin. Enfin c'est le. Vas-y, recharge. Bon. Voilà, je suis désolé, il y en a qui vont trouver ça dégueulasse. Même moi, je le trouve dégueulasse avec le traceur, machin. On voit des balles de partout là. Putain, je sais plus comment il s'appelle ce putain de pompe, je te l'ai dit tout à l'heure, en plus on était à côté. Le KLC? Ouais, il y a moyen que ce soit ça. Ça charge en l'ouvrant. Comme le Non, réacteur, non? non, 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 c'est pas ça en plus, j'ai de la merde. Donc laser amélioré, il tire en rose quoi, n'importe quoi. Bon bah c'est bon, on a les 100 000. Ce qu'on va faire, viens, même un gros, on va en garder 2-3. Comme ça on n'est pas gêné. Hop. Je voulais tester. Voilà, le pistolet laser amélioré aussi, il a le même camouflage, un peu rouge comme ça là. Il déboîte. Et le, voilà, le souffleur, ils ont tout niqué, ils auraient pu faire la même chose, je sais pas, ou. Et la PDW 57 FMJ. Alors ça, je comprends pas. Ah, t'avais fait des ronds-points exprès? Non, je tire à tout le laser en fait. Bon, bah on va les laisser, c'est bien. Oh là là là. Ah, c'est moche. Ah, c'est vilain. Même le 5-7 amélioré, il fait mal, hein.
Voilà, en fait, toutes les armes améliorées, elles font un peu plus mal quand même, parce que franchement, pas améliorées, c'est une catastrophe. Il a réduit vraiment les dégâts, je trouve ça dommage. Enfin, à la limite qu'ils réduisent les dégâts sur une map où il n'y a pas autant de difficultés, c'est pas un problème, mais là, ça me semblait pas utile de réduire les dégâts des armes sur une map. Une map de... avec une difficulté de la sorte. Ah, essaye de bien parler. Donc du coup, et putain, ça accélère. Hein. Ah, tu m'étonnes, on a squatté la main. Bon, bah le endgame. Comment ça, mission Failed? On a réussi la mission? Ah, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Peut-être la musique a enclenché, j'en sais rien. Ah, enfin bref. Voilà, on vous a quand même présenté pas mal de trucs. Désolé, c'était un peu à l'arrache. De chez vous, voilà, vous allez penser que c'est fait à l'arrache, alors que pas du tout. On a énormément passé de temps, on s'est pété les couilles pour trouver cette putain de porte, comment l'ouvrir et tout, franchement. Franchement, non, franchement, Kana, on peut dire, on s'est vraiment Ouais, cassé c'est la bon. tête. On Non. s'est vraiment cassé la tête. Donc, du coup, voilà pourquoi on s'est permis le God Mode et puis voilà, faire des boîtes à distance. Donc, graphiquement, franchement, Rien à y a dire. rien à dire. C'est une très très belle map. La difficulté, elle est beaucoup trop dure pour ce qu'il y a comme contenu en fait. Ouais, parce que la map a dû être à peine plus large quand même. Parce qu'il n'y a pas Ouais. d'endroit pour tourner. Ouais, ou alors de meilleures armes ou une meilleure récompense quand t'as fait les coffres. Je trouve qu'un laser 2, voilà quoi. C'est pas top. Pour se péter les couilles. Je pense aux joueurs qui ont dû le faire légalement. Et s'il y en a qui l'ont fait. Enfin, mais je pense. Hein. C'est pas non plus la fin du monde. Mais t'imagines, tu fais ça légalement, donc tu recommences 2-3 fois. Parce que bon, tu te fais bouler, forcément. Et t'imagines, t'as un laser 2. T'es dégoûté quand même. M'étonne. Pardon. Donc du coup, pour tous ceux qui voudraient télécharger la map, de toute façon, vous trouverez le lien de la map dans la description. Et ce que je vous invite, c'est à ne pas faire les boîtes d'âme et tout simplement aller ouvrir le paquet à punch et améliorer vos armes comme ça, puisque voilà, avoir un laser 2, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. À part si vraiment il y en a qui aiment bien faire les secrets, machin et tout, ce que je pourrais comprendre aussi. Donc voilà, ça va être tout pour nous pour cette map. Encore désolé, voilà, pour avoir mis le gun mode, tout ça, mais enfin désolé oui et non, puisque voilà, pour tout ce que j'ai évoqué depuis le début de cette vidéo et qui est un peu qui ouais qui au final ça a pas trop de sens, je pense. Le rendu final n'aura pas trop de sens, sachant que ça s'est fait sur 2 jours et tout. En tout cas, on s'est énormément pété les couilles et voilà, je pense qu'on a découvert pas mal de choses sur cette map. Je vous dis à bientôt pour une prochaine map. Portez-vous bien. Ciao, ciao les gens.